nous avons organisé en tant que parc national d'Ifrane, en partenariat avec le GREPOM, l'association Les Amis du Val d'Ifrane et la REBICA, association des Amis de la Réserve Biosphère, céderait une des opérations de recensement au niveau du lac du Moyen Atlas. On a commencé par les lacs appartenant au parc national d'Ifrane, à savoir le lac Afinuri, le lac Tifounassine, le lac Zerouka, le lac Aglemem, Ifrah. Donc, cette opération s'est poursuivie pendant à peu près 2 semaines pour évaluer l'effectif des oiseaux et le nombre, le type d'espèces qui se trouvent au niveau de ces lacs. Qu'en est-il des espèces et du nombre approximativement? Alors, en ce qui concerne les espèces et le nombre, donc ces recensements sont d'une grande importance. C'est pour, en premier lieu, évaluer la capacité la capacité de ces sites à accueillir les espèces d'oiseaux. D'autre part, c'est pour évaluer un petit peu la population. La variation de population, est-ce qu'il y a une amélioration, une augmentation du nombre ou bien une diminution? Et ces informations sont d'une grande utilité pour classer ces lacs comme des sites d'importance pour les oiseaux. Alors, parmi les espèces qu'on a trouvées, on a trouvé plusieurs types d'espèces d'oiseaux migrateurs et d'oiseaux nicheurs et sédentaires. En l'occurrence, il y a le tadorne kazaka en particulier. Aussi, on a trouvé les ressemature à tête blanche au niveau du lac Ifrah. On a trouvé plusieurs autres espèces comme le grand cormoran, les espèces de canards, le canard souchet, le canard chipot, le canard siffleur et aussi le canard, les filigules milouin. Et Filigule Nayorka au niveau du lac de Zarroca. En plus, d'autres espèces de hérons comme le héron cendré et des espèces d'oiseaux plongeurs comme les grèbes, les trois types de grèbes, la grèbe huppée, le grèbe à cou noir et le grèbe castagneux. Je viens de participer dans le cadre de mon stage de dernière année avec la FNI, au recensement des oiseaux du parc national d'Ifrane, les oiseaux d'eau principalement. Et donc j'ai assisté l'équipe dans le recensement de tous ces oiseaux. Quelles sont vos impressions après, sur cette opération? Ben, j'ai avant tout découvert beaucoup de lieux que je ne connaissais pas, de très beaux lieux, de très beaux lacs, ainsi que des espèces dont je ne connaissais pas l'espèce auparavant. Et je suis ravie d'avoir participé à cette journée pour découvrir un peu plus le Moyen Atlas. En quoi cela servira dans votre master-là? Dans mon master, mon master est intitulé la gestion des ressources naturelles durables. Donc ça permet d'évaluer la biodiversité locale et de surtout voir l'impact de la gestion des forêts sur la population d'oiseaux sur le Moyen Atlas.